Bonjour Pierre-Yves. Bonjour David. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Ben, moi je suis content de t'entendre aussi, je suis content d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas ou aux personnes peut-être qui te connaissent mais qui ont envie d'en savoir un peu plus sur toi? D'accord. Ok, très bien. En quelques mots, assez rapidement, en fait, j'ai un parcours de vie assez particulier. J'ai étudié la production cinématographique, puis j'ai travaillé dans des grosses entreprises comme Lévi-Strauss ou Sony ou Proximus Mobistar. Et en parallèle à ça, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est développement personnel. Et donc, j'ai pris mes premiers bouquins de Freud il y a plus de 20 ans. Et ça a été vraiment en parallèle à mon parcours professionnel, l'étude des comment développer le potentiel humain et comment être plus heureux, comment faire les choses qui nous tiennent à cœur. Donc ça, c'est vraiment mon parcours de vie. Il y a maintenant 2 ans et demi, donc en mi-2012, j'ai décidé de lancer mes propres programmes de coaching qu'on retrouve maintenant dans Reach, r-ach.be. C'est là-dedans qu'il y a ma propre méthode que j'ai écrite. Et puis alors, on a des activités aussi tout à fait particulières. On organise pas mal d'événements dans lesquels on propose aux gens de se projeter dans qui ils veulent être dans 3 ans. Ça, c'est vraiment notre activité principale. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on estime, et c'est ça l'enjeu, l'objectif ici aussi de la conférence, c'est d'insister sur le fait que c'est important de savoir où on va et d'avoir un objectif et d'avoir une vision de ce que l'on veut. Et quelle est l'importance de se projeter, d'avoir une vision sur ce que l'on veut être dans 3 ans, dans 3 ans ou même dans 1 an? Je pense qu'il faut savoir où on veut aller, peu importe le timing. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question, David. En fait, moi, la première fois qu'on m'a posé la question, il y a quelques années, en fait, je pense qu'il doit y avoir 5 ans, quelqu'un m'a posé la question et m'a dit, mais où est-ce que vous vous voyez dans 3 ans? Je me suis senti vraiment très mal. En fait, j'avais aucune idée de où je voulais me trouver dans 3 ans. Et au-delà du mal-être que ça m'a causé, c'était que si je ne sais pas où je veux être dans 3 ans, c'est principalement au départ parce que je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas ce que je veux. Je pense que c'était ça le plus grand souci. Et c'est suite à ça que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai découvert l'importance de savoir dans quelle direction on va parce que c'est à travers la direction qu'on se donne que l'on se découvre. En fait, c'est ça qui est important. Ce n'est pas tellement d'atteindre son objectif. Donc, se mettre un objectif qu'on peut atteindre, est-ce qu'on peut l'atteindre ou pas, c'est pas tellement ça le but. Le but, c'est de se mettre en mouvement, parce que c'est dans la mise en mouvement, dans la découverte de ce qui nous fait bouger, que l'on va découvrir qui l'on est. Donc, ça c'est ça vraiment en fait l'importance, c'est de découvrir qui on est à travers le fait d'avoir une vision. Au-delà de ça, après, quand on regarde la littérature de succès, c'est-à-dire les gens qui se sont intéressés à tout ce qu'est-ce qui fait que quelqu'un a du succès, qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'a pas de succès, même si le succès c'est quelque chose qui se définit, hein, le succès est différent pour chaque personne, mais il y a des gens qui se sont intéressés à ça, qui se sont dit, tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne est heureuse, qu'est-ce qui fait qu'une personne n'est pas heureuse, et qu'est-ce qui fait qu'une personne va atteindre les objectifs qu'elle se donne et l'autre pas. Et en fait, ben, une des toutes premières clés qui est commune à toutes ces recherches, c'est de savoir dans quelle direction on va. Et en fait, très peu de personnes savent répondre à cette question. Voilà pourquoi c'est important dans notre travail et voilà pourquoi on a mis ça en évidence dans Reach. C'est une question qu'il faut se poser tous les combien de temps? Donc voilà. Ok, j'ai défini aujourd'hui, je sais qui je veux être dans 3 ans. Quand est-ce que je dois me reposer la question? Ok, qu'est-ce que je veux être et qui est-ce que je veux être dans 3 ans? D'accord. En fait, c'est une question qu'il faut se poser très régulièrement parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on se dit, vous dites, je veux être là dans 3 ans que c'est quelque chose d'immuable. Comme je le disais, l'objectif c'est vraiment de se donner une direction et de se mettre en mouvement. Parce qu'en fait, le pire c'est d'avoir une idée, d'avoir un projet ou un rêve, quelque chose qu'on veut accomplir et puis de ne jamais essayer. Ça c'est vraiment le pire. Et de se retrouver, comme on dit, sur son lit de mort et de n'avoir jamais essayé. Ça, c'est le pire. Maintenant, on se donne un objectif, on essaye, et puis on n'y arrive pas, ou en chemin, on se rend compte que c'est pas vraiment ça, au moins on a essayé. L'objectif, c'est que dès qu'on se met en mouvement,
On se confronte au feedback et on se rend compte de ce qui est faisable, de ce qui n'est pas faisable, et aussi des choses. C'est peut-être pas finalement réellement ce que j'avais envie de faire, mais au moins on a essayé. L'objectif, c'est au moins de se mettre en mouvement et d'essayer. Pas spécialement d'y arriver. Et donc ça, c'est une première chose. On peut se poser la question régulièrement, réajuster le tir. Et puis au-delà de ça, c'est quelque chose, c'est le genre de question qu'on peut se poser pour plein de petites choses. Quand on arrive quelque part, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je recherche en fait ici? Donc de ne pas se dire, ça ne va pas, c'est pas ça que je veux, mais de se dire en fait, qu'est-ce que je veux? Quel est l'objectif que je cherche à atteindre? Qu'est-ce qui devrait se passer pour que je sois satisfait? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut se poser, une question qu'on peut se poser tous les jours en fait, hein, et même à plusieurs moments pendant la journée. Et on le fait parce que l'esprit fonctionne comme ça. Si on doit aller quelque part, la première question qu'on se pose, c'est où est-ce que je vais? C'est tout simple, hein. On met la direction dans son GPS et puis on se met en route. Si je vais faire des courses, ben je sais normalement plus ou moins pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je vais y chercher. Je vais pas me rendre au supermarché et puis me dire, tiens, mais qu'est-ce que je fais ici? Ah, c'est vrai que je vais peut-être acheter des choses. Tiens, qu'est-ce que je vais acheter? Donc en fait, l'esprit fonctionne comme ça. Donc c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui est inconscient et qui est un fonctionnement de base de l'esprit et qu'on a intérêt à apprivoiser consciemment. Quand on l'apprivoise consciemment, on peut alors vraiment développer son esprit et son potentiel beaucoup plus efficacement. Et donc, il faut pas être frustré si, par exemple, on n'atteint pas la vision que l'on s'était faite. Ouais. Oui, tout à fait. Ça, c'est le pire, moi, je trouve. Ça, c'est le plus. Je dirais que c'est le seul truc qui est un peu embêtant. C'est en même temps, l'objectif ici, et il est dans n'importe quelle méthode de vie, c'est d'arriver à lâcher prise. Ça, c'est un défi qu'on a de toute façon. C'est-à-dire d'avoir un objectif, de se donner un objectif qui va donner du sens et qui va donner une direction et qui va donner de l'énergie. Et puis en même temps, si les résultats ne sont pas là, d'avoir la capacité de lâcher prise par rapport à ça. Je dis que c'est le pire parce que ça, c'est vraiment une des choses avec lesquelles moi, personnellement, j'ai le plus de difficultés. Quand les choses ne se passent pas comme je le voulais, c'est effectivement une difficulté. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup de gens ne se fixent pas d'objectifs. Beaucoup de gens préfèrent rester, et c'est un mécanisme inconscient tout à fait compréhensible, hein, beaucoup de gens préfèrent ne pas avoir d'objectif, ne pas avoir d'envie, ne pas essayer de diminuer ça au maximum, comme ça il n'y a pas de déception. Mais en fait, le problème, au-delà de ça, c'est que la vie risque alors d'être une énorme déception, parce que on ne joue pas en fait, on ne joue pas le jeu. C'est vrai que si on ne monte pas sur le terrain, on ne risque pas de perdre. Mais quel dommage quand même de rester sur le banc alors que l'autre partie de l'équipe est en train de jouer. Et ce qui pourrait être intéressant du coup, c'est donc au fil du temps apprendre à se connaître, parce que je suppose que la première fois qu'on va se poser cette question, qui est-ce que je veux être dans 3 ans, on va peut-être soit le voir trop grand, soit le voir trop petit au niveau des objectifs. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on se pose cette question, je suppose qu'on va évoluer et qu'on va justement apprendre à mieux se connaître et donc s'imaginer et visionner des objectifs plus réalistes par rapport à soi-même. Oui, tout à fait. Moi, j'ai juste une difficulté par rapport au fait du réalisme, parce qu'en fait, personne ne sait ce qui est atteignable et ce qui ne l'est pas. Et la plupart du temps, on vise 100 mètres en dessous de notre réel potentiel. Donc, c'est une question qui est très, très délicate. Tant que coach à Steve Jobs, si je l'avais rencontré en 1975, et qu'il m'aurait exposé son idée d'avoir un ordinateur personnel dans chaque maison, est-ce que j'aurais été capable de lui dire, tu sais, Steve, c'est une très bonne idée, ou franchement, là, tu délires, c'est pas possible, c'est juste trop gros pour toi. Je pense que, en fait, tout le monde a le potentiel d'être Steve Jobs, pas tout le monde en a l'envie, hein, mais je pense que tout le monde a un potentiel énorme et certainement un potentiel beaucoup plus grand que celui qu'on pense. Donc, je réagissais ici, David, par rapport à ce que tu me disais, au réalisme des objectifs. C'est très, très difficile à dire, en fait. Ce qu'on peut dire réaliste et ce qu'on peut dire atteignable. Et je crois que même la personne elle-même ne peut pas le savoir, jusqu'à ce qu'elle essaye, en fait. D'où l'idée, vraiment de se donner une vision et d'oser. Ok.
Alors, par rapport à cette question, quelle est l'étape suivante? Ok, donc je me pose qui est-ce que je veux être dans 3 ans? C'est très bien. Ok, je m'imagine que je veux être une telle personne avec telle personnalité, etc. Qu'est-ce qui va me faire passer à l'action? Chez Reach, avec la technologie, les techniques qu'on a développées, la méthode, on va travailler sur 3 points. On va d'abord travailler sur ce principe de vision, en sachant et on ne va pas s'arrêter là, parce que c'est un peu on pourrait critiquer, de dire, c'est bien beau de vouloir et d'espérer, d'imaginer, mais ce n'est que l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, ça va être de construire un plan. Je suis quelqu'un qui croit quand même sérieusement dans l'idée d'être organisé, dans l'idée de faire des études, je dirais, du marché, ou en tout cas des possibilités, et donc d'avoir un certain regard rationnel sur les choses. Tout le monde n'a pas cette vision-là. Je pense que certains l'ont plus encore que moi, d'autres l'ont moins. Mais donc la deuxième étape, après avoir visualisé qui je veux être, à quoi ressemble mon activité dans 3 ans, on peut aussi dire dans 5 ans, ça va être de commencer à travailler rationnellement, de faire des plans et de se dire, tiens, quelles sont les différentes possibilités pour que je puisse atteindre et créer cette vision. Donc il y a un travail de recherche et un travail plus rationnel à faire. Et puis la troisième étape, c'est le passage à l'acte. Et ça, c'est vraiment, je dirais, l'aspect déterminant. C'est que sans action, il ne se passera rien. Et en fait, quand on regarde ces trois points, visualiser, planifier, agir, on a tous une certaine force dans l'un des trois et une difficulté avec au moins un des trois. Certains sont très forts pour imaginer des grandes choses, puis d'autres sont très forts pour faire des plans, et puis certains sont très forts pour passer à l'action, mais de manière irréfléchie. Je dirais qu'un des plus gros problèmes, majoritairement, est celui de passer à l'action. Mais certaines personnes qui sont plus rationnelles vont avoir très très difficile à imaginer autre chose que leur quotidien. Et voilà, chaque personnalité va avoir sa force et ses forces et ses faiblesses. Donc, visualiser, planifier, agir. C'est comme ça qu'on travaille chez Reach. Et est-ce que lors de la conférence, tu vas aborder ces 3 points ou tu vas vraiment te focaliser sur la vision? On va aborder 3 points. On va aborder les 3 points. On va parler de visualisation de toute façon, mais surtout, pourquoi est-ce que c'est important dès le départ? Parce que sinon, il n'y a pas d'émotion. Si on ne sait pas se visualiser dans quelque chose d'inspirant, et par exemple, imaginez simplement le succès de son entreprise, à quoi bon commencer? Donc, je veux dire, ça, c'est vraiment la raison pour laquelle on insiste là-dessus au départ. Et probablement aussi parce que culturellement, pour le moment, de par la conjoncture, c'est devenu très difficile de s'imaginer un futur brillant. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, on va insister là-dessus de toute façon pendant la conférence, mais je veux aussi donner certaines clés de comment est-ce qu'après ça on planifie et comment est-ce qu'après ça on passe à l'action. Donc, de toute façon, il y aura un aperçu. Et puis alors, dans certains bonus, et puis si les participants veulent d'autres activités, on est de toute façon ou d'autres clés, on est là de toute façon pour répondre à toutes ces questions. Super. Alors, justement, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu rencontres ou que les gens avec qui tu travailles rencontrent par rapport à ces 3 points, donc visualiser, planifier et agir? Bonne question. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Nous, on a beaucoup travaillé ces derniers temps, surtout avec le principe de vision. Et je dirais que ce qu'on rencontre comme difficulté principale, et c'est vraiment là-dessus qu'on a mis l'accent pour le moment, c'est la capacité des gens à imaginer autre chose que ce qu'ils vivent pour le moment, ou autre chose que ce que la société dit qu'il est possible. En fait, les possibilités sont beaucoup plus grandes. Et d'ailleurs, le carrefour des réussites est un exemple de ça, dans le sens où on est formaté pour penser emploi de 9-5. Je vais dans une entreprise de 9h à 5 heures pendant les 40. On ne croit plus aux 40 années de carrière, ça peut être plus, mais on reste convaincu que la solution pour gagner de l'argent, c'est de travailler dans une entreprise et d'être payé pour son temps. Et ça, c'est une question d'imagination, en fait, c'est une question de formatage. Donc,
c'est pas l'épreuve, mais la difficulté la plus grande que nos clients ou les gens qu'on rencontre ont en premier lieu, c'est de penser en dehors de la boîte. C'est de Oui. s'imaginer qu'en fait, il y a d'autres possibilités et qu'ils ont ou elles ont d'autres possibilités que le schéma classique d'aller travailler, de faire des études dans un domaine, de faire un travail dans ce domaine-là, d'attendre une promotion 2 ou 3 ans plus tard, alors qu'en fait, les possibilités sont beaucoup plus larges. Donc là, c'est vraiment là-dessus que nous, on insiste et parce qu'on pense, on trouve plutôt avoir une expertise là-dedans. Et parce que aussi, pour tout ce qui est planification, il y a déjà énormément de gens qui insistent beaucoup plus que nous là-dessus. Si on fait par exemple, si quelqu'un fait un accompagnement dans une structure de développement d'activité entrepreneuriale, on va insister beaucoup plus là-dessus que justement sur la confiance en soi, sur la motivation, sur la visualisation de son projet. Ça va être, on va avoir la question, quelle est ta compétition, qu'est-ce qu'il y a sur le marché, comment est-ce que tu vas te différencier, comment est-ce que tu vas gagner. Donc tout ce qui est partie planification, il y a déjà beaucoup de gens qui le font très bien, même si on le fait très bien aussi, hein. Donc nous, c'est vraiment, je dirais, on se concentre là-dessus. Il faut ouvrir les possibles, il faut aider à voir un peu plus de possibilités que ce qu'on se donne, je dirais, par défaut. Et ceci est valable également dans sa vie personnelle, je suppose. Oui, tout à fait. En fait, c'est une question d'approche, hein. À partir du moment où, comme disait, la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait tout. À partir du moment où on prend l'habitude de penser au-delà de ce qu'on a l'habitude de penser, et que on se dit, mais finalement, et qu'on prend l'habitude de se dire, mais qu'est-ce que je recherche en fait? Et qu'est-ce que, si je n'aime pas ça, ça veut dire qu'en fait, c'est ça que je voudrais, et qu'on a la capacité de se concentrer, non pas sur ce qu'on n'aime pas, ou ce qui nous déplaît, ou ce qui nous fait peur, mais de se concentrer sur, OK, ben alors ça veut dire que c'est ça que je veux en fait, puisque ça, je ne veux pas, et qu'on a cette capacité à mettre son focus sur ce qu'on veut et à mettre en place des actions pour développer ce qu'on veut, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit sur le domaine professionnel. Ici, le carrefour des réussites, c'est principalement ça. Mais après ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans son couple. Je n'aime pas quand les choses se passent comme ça dans ma relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'en fait, je voudrais qu'elle se passe comme ça. Waouh, ok. Déjà, ça, c'est une étape dans laquelle beaucoup de gens, à un endroit où beaucoup de gens échouent, en fait, hein. Je n'aime pas quand mon compagnon fait ceci. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Mais ça voudrait dire que je voudrais qu'il le fasse comme ceci. Et alors, après, qu'est-ce que je vais faire pour que les choses évoluent dans ce sens-là? Donc, une fois que le mécanisme est compris, il est utilisable dans tous les domaines de la vie, dans le domaine physique aussi. Je n'aime pas ma santé de cette manière-là. Donc, comment est-ce que ma santé devrait être pour que je sois heureux? Et qu'est-ce que je vais, à partir de là, faire pour pouvoir atteindre mes objectifs en termes de santé, par exemple? Et à la base de ce changement, il y a toujours un déclic. Justement, quel a été toi ton déclic par rapport à peut-être voilà l'envie de créer Rich ou peut-être autre chose, une autre anecdote que tu aurais à nous raconter? Oui, tout à fait. Ça, je trouve, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a quelqu'un qui disait que c'est Jim Rohn. J'ai entendu ça de Jim Rohn, qui est un grand businessman américain, un grand philosophe businessman américain, qui disait l'humain bouge soit par inspiration, soit par désespoir. Et je pense qu'en fait, il y a toujours un petit peu des deux. Mais c'est parfois par le désespoir qu'on bouge le plus, parce que la coupe est pleine et il faut que ça change. Et je pense certainement que la petite anecdote que je disais tout à l'heure, c'était d'ailleurs pour une offre d'emploi, hein. Je me suis présenté pour une offre d'emploi et on m'a posé cette question. Et je pense que c'est ce mal-être de ne pas être capable de répondre à cette question qui a été un grand déclencheur. Et puis alors une autre chose, c'est que un autre déclencheur, c'est qu'on dit souvent que si vous n'avez pas des objectifs personnel, vous allez travailler pour quelqu'un qui en a. Et vous allez travailler à la réalisation des objectifs de quelqu'un d'autre. Et je crois que ça a été, et c'est toujours un point de réflexion très important. Je travaille à mes objectifs parce que je ne veux pas
Parce que moi, je n'en ai pas me résoudre à travailler à ceux des autres. Aider les autres, oui, ça, forcément. Et c'est un grand plaisir. Aider les autres à atteindre leurs objectifs, oui. Mais parce que c'est un objectif à moi aussi d'aider les autres. Ne pas travailler aux objectifs des autres parce que je ne sais pas quels sont les miens. Et ça, c'est un grand motivateur, en fait. Il y a des personnes qui sont bien avec le fait de réaliser les objectifs des autres. Ou bien pour toi, il y a toujours la volonté, même si on ne le sait pas consciemment, l'envie de réaliser ses propres objectifs. On a de toute façon l'envie de réaliser ses propres objectifs. Maintenant, travailler, de toute façon, on travaille tous à aider. Ça, c'est une grande clé et j'en parlerai pendant le séminaire. On peut trouver de satisfaction, et là, je vais être contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, mais ça a tout son sens, hein. On ne peut être heureux que quand on aide les autres. Et quand ce qu'on suit, comme objectif, a du sens par rapport aux autres et par rapport et apporte et contribue au bien-être des autres. Maintenant, ce qui c'est là, je parle surtout de la souffrance. C'est peut-être un grand mot parce qu'on n'en arrive pas tous à ça, mais je pense que de plus de gens y arrivent à cette souffrance, hein. De travailler, c'est surtout là ici, je parle vraiment dans le domaine professionnel. De travailler dans des emplois pour des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on n'apprécie pas ou dont les objectifs n'ont pas de sens pour nous. Et je pense surtout à ça, en fait. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle on a une épidémie de burn-out. Il y a des tas de raisons pour lesquelles des gens font des burn-out. Mais pour moi, une des raisons fondamentales du burn-out, c'est que ce qu'on fait n'a plus de sens. C'est la déconnexion avec soi-même. Et avec, quelque part, à travers ça, ses objectifs, ses propres objectifs, ses objectifs n'étant pas gagner autant, peser autant ou avoir autant d'amis sur Facebook, hein, ses objectifs étant qu'est-ce que je veux accomplir, pourquoi est-ce que je suis là et comment est-ce que je peux faire pour être heureux et rendre les autres heureux. Et je crois que la souffrance de travailler dans quelque chose ou pour quelqu'un dans des circonstances où les choses n'ont plus de sens, je pense que c'est ça qui est difficile. Donc effectivement, il y a des tas de gens qui n'ont pas des objectifs qu'on peut qualifier comme ambitieux ou démesurés. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça l'objectif, hein. C'est retrouver du sens par rapport à soi. Savoir dans quelle direction on va personnellement, même si ça veut dire quelque chose de tout à fait simple, même si le rêve est simplement de faire quelque chose de tout à fait ordinaire. Là n'est pas la question. Ce qui est important, c'est d'être fidèle à soi, de se connaître et d'être fidèle à soi. Est-ce que j'ai répondu à ta question, David? Oui, c'est parfait. J'ai envie de rajouter, enfin de pas de rajouter, mais ça me fait plaisir parce que ça rejoint la mentalité du Carrefour des réussites, co-créons de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de vouloir changer le monde à une échelle incroyable. Si déjà on peut changer son propre bien-être, pardon, son propre bien-être, etc. Eh bien, c'est déjà tout gagné. Tout à fait. Il y a un principe de masse critique, hein, je pense que c'est ça que tu voulais dire ici, David. Il y a un principe de masse critique qui est que quand suffisamment de gens ont amorcé un mouvement, il y a un effet d'emballement. Et je pense que c'est ce que tu fais ici avec le Carrefour des réussites. Et c'est ce que tu incites en invitant les gens à rejoindre le Carrefour des réussites, c'est de participer à la création de cet effet de prise de masse, en fait, hein. Quand il y aura suffisamment de gens, et c'est déjà le cas, hein, qui sont connectés à ce qui les touche fondamentalement, eh bien, le mouvement s'amplifie. Et c'est ce que Reach veut faire aussi. C'est une de mes ambitions à travers Reach. Depuis 2 ans et demi déjà maintenant, c'est de toucher chez les gens l'étincelle et de les reconnecter avec ce qui les touche réellement pour qu'à un moment on ait une masse critique qui fait basculer les choses dans le bon sens. Et effectivement, je pense pas qu'on ait besoin
de vouloir. J'aime bien ce que tu dis dans le Carrefour des réussites, changer le monde à notre niveau. Gandhi disait d'ailleurs d'être le changement qu'on veut voir dans le monde. Hein. Pas besoin de vouloir aller changer le monde à l'extérieur. En fait, il faut le changer en soi. Et ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, effectivement, le travail le plus important à faire, c'est sur soi. Est-ce qu'on peut comparer ça à quelqu'un qui tirait par exemple un bloc de, je sais pas, un poids en tout cas, donc tirer un poids dans un sens et que d'autres personnes viendraient l'aider à tirer ce bloc dans le même sens et donc on avancerait plus vite ensemble? Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'avais une image, une petite anecdote, et c'est d'ailleurs même pas une anecdote, c'est un fait scientifique. Je reprends ton image du bloc. Oui, forcément, si on se met à tirer le bloc tous ensemble, il finira par être extrêmement léger. Il y a une image très forte qui s'apparente à ça, qui est que quand quelqu'un dans la rue est en difficulté, c'est étonnant de voir, et des études scientifiques qui ont été montrées, hein, qui ont été faites là-dessus, qui sont régulièrement publiées sur les réseaux sociaux notamment. Quand quelqu'un est en difficulté dans la rue, des dizaines de personnes peuvent passer devant et ne s'arrêtent pas. Et voilà, c'est comme ça. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Ce qui est étonnant, c'est que dès le moment où une personne s'arrête, tout d'un coup, des dizaines d'autres personnes s'arrêtent également pour aider cette personne en difficulté. Donc parfois, il suffit d'une seule personne pour donner l'étincelle à toutes les autres qui étaient là, qui auraient voulu, qui avaient envie, mais pour une raison ou pour une autre, n'avaient pas ce qu'il fallait ou n'avaient pas à cet instant-là la force de passer à l'acte. Il suffit d'une personne pour passer à l'acte pour que les 10, les 20, les 30 autres personnes suivent le mouvement. Et ça, c'est très fort, évidemment. C'est très, très fort. Et je pense que le Carrefour des réussites et ce que les participants peuvent tirer après du Carrefour des réussites, c'est ça, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui met en route, qui pose le premier acte, qui fait que les autres suivent, et chacun va, dans sa marche, tirer quelqu'un d'autre. Et c'est ça l'effet de levier, évidemment. C'est ça qui est beau dans l'aventure. Exactement. Mais cela me rappelle une vidéo TED qui connaît un succès assez fou aussi. C'était dans un festival de musique et effectivement, c'est la première personne qui se met à danser n'importe comment. Mais je partagerai le lien, c'est assez intéressant parce que justement, après, il y a des dizaines et voire des centaines de personnes dans le festival qui se mettent à danser comme la première personne alors qu'il n'y a aucune raison. Enfin voilà, ça montre effectivement aussi ce que tu viens, ça illustre ce que tu viens de dire. Je partagerai le lien au niveau de l'interview et si tu la connais pas, tu découvriras comme ça. Oui, merci à toi, David. C'est le principe du rire communicatif aussi, hein. Il y a eu aussi beaucoup ça dans les trams. Il suffit que quelqu'un rit de bon cœur et en fait, avec le temps, ben, toute la rame de métro est prise de rire. Hein. Ah bah voilà, je connaissais pas cette anecdote. Jamais vu ça. Il y a aussi, il faudrait la retrouver. Ça a été d'ailleurs fait il y a très longtemps en Belgique. Mais puis après, ça a été refait à plusieurs reprises. Quelqu'un rentre dans une rame de métro et est pris d'un rire vraiment intense. Et c'est un comédien, en fait. Hein. Et au bout de quelques minutes, l'entièreté de la rame de métro est prise de fou rire. C'est communicatif, hein. C'est comme la démarche ici de quand une série de personnes se prennent en main, se connectent à ce qu'elles veulent vraiment faire et partagent de la valeur sur Internet, eh ben c'est communicatif. Et au-delà de l'aspect financier réel dont tu parleras aussi ou dont les intervenants parleront dans le Carrefour des réussites, au-delà de l'aspect commercial et financier qui peut y avoir au-delà de ça, c'est le fait de partager ce qu'on aime, hein, qui va procurer du bien-être à notre entourage et à nous-mêmes. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais ça, une petite encore anecdote, et puis je reviens vers tes questions, mais je voulais vraiment partager ça parce que c'est très intéressant. Il y a des études qui ont été faites sur l'afflux d'ocytocine, qui est une hormone de bien-être. Quand une personne rend service à quelqu'un, en fait, il a été étudié et prouvé que quand une personne rend service à quelqu'un, eh bien, son niveau d'ocytocine
Et donc, ce qui est une hormone de bien-être très, 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 très puissante, augmente très, très fort dans le corps. Et donc, ça veut dire que la personne se sent bien. En fait, l'humain est fait pour aider. Quand il aide et qu'il contribue, il est heureux. Et en fait, ça augmente la capacité de son système immunitaire à résister à la maladie. Et donc, ça procure la bonne santé. Aider procure la bonne santé. Ce qui est très intéressant, c'est que la personne qui a été aidée reçoit le même niveau, la même élévation d'ocytocine. Donc, ça veut dire que la personne qui est aidée, elle-même, voit son immunité et sa santé augmenter. Et ce qui est encore plus beau, c'est que l'étude montre que la personne qui est témoin de l'acte de bienveillance reçoit le même rush d'ocytocine que les deux autres. Donc, ça veut dire que quand on est témoin d'un acte de bienveillance, notre niveau d'ocytocine augmente, notre niveau d'immunité et notre santé augmente au même titre que si nous avions rendu service ou reçu le service. Donc en fait, c'est la meilleure des drogues qui soit, hein. Rendre service. Voilà. Et c'est légal en plus. Et en plus, c'est légal. Effectivement. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est. Je pensais que c'était la fierté. Donc quand j'aide quelqu'un, je pense que tout le monde vit ça. Quand on aide quelqu'un, on est fier, voilà, on est content, on est heureux d'avoir aidé la personne. Et je pensais que c'était le fait d'être fier qui donnait cet état de bien-être. Ben voilà, j'ai appris quelque chose. Je ne connaissais pas du tout. Je Voilà, écoute, connaissais. la fierté, en fait, la fierté est un des sentiments ou une des émotions que l'on vit quand on rend service. Donc, tout à fait dans le juste aussi, hein. Génial. Alors, est-ce que tu aurais un ou deux livres, voire trois, à nous conseiller, qui t'ont vraiment inspiré? Oui, ok. Alors il va falloir qu'on se retourne vers ma bibliothèque. Ah oui, je vois ça, en effet. Bien. Oui, il y a beaucoup de livres m'ont influencé. Je pense surtout à des vidéos aussi, il y a des films, parce que maintenant c'est difficile d'envisager un auteur ou un écrit ou sans voir ces films. Donc je vais plutôt parler des personnes qui m'ont fortement influencé. Je vais essayer de trouver les livres ici. Il y a ce monsieur-là, hein, ça je pense que... Ici en Europe, les livres sont en anglais, mais on les trouve en français aussi. Tony Robbins, c'est pour moi une de mes plus grandes influences. C'est un grand bonhomme de plus de 2 mètres qui est un des plus grands coachs mondiaux. Il est surtout connu aux États-Unis parce que effectivement, et ça je dois bien l'avouer, il a un style relativement américain. Mais je pense que son message est universel. Donc je pense que de toute façon, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il véhicule, il y a beaucoup de très très bonnes choses. Maintenant, c'est vrai qu'il faut accepter son style très américain. Voilà, bon, moi j'ai cette ouverture d'esprit, j'ai aucun problème avec ça. Donc Tony Robbins, premier bon bouquin. Il est relativement compliqué à lire en livre parce qu'il est très généreux. Et donc quand il fait un livre, il fait une brique de 400 pages et il donne beaucoup de choses dedans. Moi, je dirais que c'est intéressant de le voir en vidéo parce que c'est quelqu'un de très, très physique et très visuel. Voilà, ça c'est une chose. C'était un homme, je vais aller dans un tout autre style, mais vraiment un autre style. En termes de développement personnel, je vais prendre ici Louise Hay, beaucoup plus féminin, on va dire. C'est une femme d'un certain âge, maintenant je pense qu'elle a passé 90 ans. C'est quelqu'un, Louise Hay, c'est aussi une Américaine. Qui a été très influente au début l'apparition du sida et qui a beaucoup aidé les personnes victimes du sida de retrouver de l'estime de soi dans leur souffrance et de pouvoir en tout cas guérir leur, je ne vais pas dire leur âme, mais en tout cas leur être, faire qu'ils se sentent mieux dans leur peau, même si je ne sais pas si ça a pu avoir vraiment des effets sur le plan de la santé, en tout cas sur le plan du respect d'eux-mêmes. Ça les a beaucoup aidés. C'est quelqu'un de très très bien et dont le message est très simple, s'aimer comme on est et trouver son talent, accepter son talent. Ça, c'est la deuxième personne. Et puis alors, je vais devoir faire un choix pour la troisième et ça va être compliqué parce que j'aime beaucoup, beaucoup de choses.
Mais je vais prendre Wayne Dyer. Je vais prendre Wayne Dyer, qui est aussi ici en anglais, mais dont les livres sont, existent en français. Il existe aussi, il est aussi fort présent sur YouTube. Wayne Dyer, qui enseigne un message relativement simple depuis le début de sa carrière. Maintenant, ça fait un bail, puisqu'il a maintenant 70 ans. Ça fait 50 ans qu'il est très, très connu, aussi de nouveau aux États-Unis. C'est vrai que mes influences sont très américaines. Wayne Dyer, qui enseigne un message fort, qui est de s'appuyer sur soi. S'appuyer sur soi, prendre la responsabilité de sa vie, très, très fort. Et son message, je pense que c'est intéressant ici dans le cadre du Carrefour des réussites, puisque c'est à travers la création de son activité, moi je trouve la capacité à prendre sa responsabilité et à offrir son talent au monde. Je pense que Wayne est un des grands avocats de ce message. Voilà, ça ce sera ma petite sélection du jour. Génial. Je t'avoue qu'il y en a deux que je découvre, Louise Hay et Wayne Dyer. Je ne connaissais pas du tout. Et donc, je me ferai un plaisir de découvrir ça. Avec plaisir. Mais je pense que prochainement, je vais communiquer un peu plus de références, notamment sur notre site internet, Reach, reach.be. Je vais faire une petite rubrique avec des références de bouquins. Je trouve que c'est toujours sympa. Surtout à l'époque des fêtes, pour savoir quoi offrir ou quoi s'offrir. Pour faire un cadeau intelligent. Oui, exactement. Un vrai cadeau qui provoque du bien-être. Justement, tu m'avais devancé, mais ça va, tu n'as pas répondu. S'il y avait un film qui t'a vraiment inspiré, donc que ce soit, voilà, ça peut t'avoir, le message peut t'avoir inspiré, même si le film traite d'une thématique. Donc voilà, lâche-toi, dis-moi un film qui t'a vraiment marqué, qui t'a vraiment D'accord. changé, on va dire ça comme ça. Ouais. Ok. Dans le cadre de ce qui nous occupe et de ce que je fais avec Reach et ici de ce que je partage pour le Carrefour des réussites, je crois que même s'il a été critiqué, je pense que Le Secret, le film qui est sorti en 2007 maintenant, 2006 ou 2007, Le Secret reste un film vraiment très fort dans le sens où il a partagé les principes de la loi de l'attraction pour un grand public. Alors, il a été beaucoup critiqué et c'est dommage parce que il parle, apparemment, il montre beaucoup l'aspect matériel. Et je pense que c'est certainement dû au fait qu'il a un format très américain. Et ça, c'est vrai, il est très anglo-saxon. Comme vous l'aurez remarqué dans mes références et dans ce que je lis, dans ce que je communique, je suis relativement en accord avec. Enfin, j'ai pas de difficulté avec cette. Avec la mentalité anglo-saxonne, mais je pense que ça reste un film vraiment inspirant parce qu'il est bien fait. Même si après il a été critiqué, des gens ont dit oui, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Beaucoup de gens ont dit oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il y manque des clés, c'est parce qu'il y manque des choses. En fait, non, je ne pense pas. Je pense qu'il reste relativement complet. Je pense que beaucoup de gens ont dit après qu'il était fort centré sur l'argent. En fait, quand on le voit, je pense qu'il parle beaucoup des relations, il parle de la santé, il parle du service à l'autre, il parle de la joie. Je pense qu'il nous a choqués en Occident parce que. On y parle beaucoup plus franchement du rapport à la matière et à l'argent et à la possession. Les Américains sont beaucoup plus à l'aise avec ça que nous. Donc voilà, je pense que ça reste un très très bon film. Il a ici aussi été critiqué parce qu'on disait que on parlait pas suffisamment de la nécessité de passer à l'action. La dernière fois que je l'ai vu, je trouvais qu'il le disait suffisamment. Si, il s'agit pas juste de rêver, il faut passer à l'acte. Il faut poser des actes, il faut faire des choses, et pas juste rêver et croire que ça va se passer si on rêve. Il faut commencer par rêver, puis après il faut s'organiser et il faut certainement passer à l'action. Je pense que s'inscrire pour le Carrefour des réussites est un très beau passage à l'acte, en tout cas, dans le sens de passer, de réaliser son projet. Super. Et par rapport à ça me fait rebondir au fait que effectivement l'argent et d'ailleurs tout ce qui est matériel, ce sont des outils et c'est ce qu'on en fait qui fait la différence. On peut très bien faire le bien avec l'argent, comme on peut faire le mal avec l'argent. Et donc après c'est la personne qui utilise cet outil qui fera la différence. Pour moi en tout cas. Et c'est ce film, moi, pour moi, qui a été vraiment le déclic par rapport cette compréhension du fait que la matière et ce qu'on a en main, c'est ce qu'on en fait qui fait la différence. C'est pas
Voilà, c'est pas le fait que ce soit bien ou mal de base. Je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire, mais. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Aïe, Je crois que c'est je crois que c'est un des grands c'est un grand chemin d'évolution, en fait, d'assainir son rapport à l'argent. Maintenant, c'est pas de notre faute, et je crois que c'est de la faute à personne. Je pense que c'est quelque chose dont même l'humanité, dans sa globalité, n'a pas nécessairement facile. Il y a différentes. Quand on regarde certaines philosophies, on nous a enseigné, et je vais pas pointer du doigt, hein, mais on nous a enseigné que l'argent était la source du malheur. On nous a enseigné qu'on n'avait pas besoin, qu'il fallait essayer de faire sans, qu'il fallait supprimer les désirs. Et en fait, ça part d'une bonne intention, parce que effectivement, dans l'être humain, il y a une série de mécanismes qui peuvent nous mettre en difficulté, pour pas dire en danger, ce sont les mécanismes de l'ego, tout simplement, en fait, hein. L'ego est un mécanisme dont l'humain, voilà, on a ça, on a un ego, et c'est toute une aventure, pour l'expliquer de manière légère, c'est toute une aventure d'arriver à comprendre comment fonctionne l'ego. Si on ne comprend pas comment l'ego fonctionne, eh bien, on tombe sous son emprise, et l'ego nous dit, voilà, tu n'existes que si tu as plein d'argent, plein de ceci, plein de cela, plein de copains sur Facebook, uniquement par ce que je montre que je suis, mais pas par qui je suis réellement. Maintenant, essayer de se débarrasser de son ego, c'est une mauvaise idée aussi, parce que on peut tomber dans des travers inverses, et ça ne fonctionne pas nécessairement. Il faut arriver à jongler avec les deux. Et l'argent, là-dedans, est un des éléments dont l'ego se saisit le plus vite. Donc c'est pour ça que un mécanisme était de dire, tiens, on va dire que l'argent, c'est une mauvaise chose, comme ça on va supprimer un petit peu l'alimentation principale de l'ego, mais résultat, on se trouve dans des situations qui ne sont pas très enviables non plus. Donc le problème n'est pas l'argent, le problème est le rapport à l'argent. Et ce rapport à l'argent, il est conditionné par notre rapport à notre ego. Et ça, c'est toute une autre aventure, donc il faudra un autre séminaire pour en Tout à discuter. fait, oui. Et d'ailleurs, on ne peut jamais dire, on ne peut jamais dire si demain je gagne 1 million, voire plus. Je pense que même si on dit oui, mais je resterai le tel que je suis, c'est quand cela arrive qu'on peut, voilà. On peut jamais dire, ok, ben, je vais rester le même, que j'ai 100 € dans ma poche ou 10 millions dans ma poche. C'est quand ça arrive qu'on se rend compte, effectivement. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que dans l'univers, par exemple, je prends l'univers hollywoodien, il y a certaines problématiques qui sont rencontrées par certains acteurs, alors que d'autres s'en sortent très bien et ne dévient pas dans certaines. On va dire certaines choses qui ne sont pas correctes. Enfin voilà. Écoute, pour moi, ben, il y a tellement eu à partager, il y a tellement encore à partager. On va quand même en garder pour le séminaire de janvier, hein. Oui, tout à fait. Mais ça va, il n'y a pas de souci, on en a en magasin. Mais oui, ça va. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas. Peut-être une dernière chose, parce que voilà, accumuler de l'information, c'est bien, mais il faut passer à l'action aussi. On l'a vu d'ailleurs dans les 3 étapes, visualiser, planifier et agir. Quelle est l'action que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent et qu'ils pourraient mettre en place immédiatement après la fin de cette vidéo? D'accord. Oui, ok, très bonne question, David. En fait, on vient dans notre dernière newsletter, Reach. Si vous n'êtes pas abonné à notre newsletter, vous pouvez aller sur reach.be, r-e-a-c-h.be, et vous inscrire à la newsletter. Dans notre dernière newsletter, on invite les gens, avant la fin de l'année, à visualiser comment ils veulent que 2015 soit pour eux. L'intérêt ici, l'objectif ici, c'est de ne pas commencer 2015 comme 2014. Et si on veut un changement sur 2015, il faut le préparer. Et si on veut un changement, il faut d'abord savoir dans quelle direction on va. Juste dire ça ne va pas comme ça,
je voudrais quelque chose d'autre, et se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Si on veut que les choses changent, il faut d'abord, et c'est tout le travail de la vision, il faut d'abord déterminer qu'est-ce que je veux et comment est-ce que je veux que les choses se passent. Et donc, le petit exercice que je vous invite à faire, c'est surtout, alors qu'il y a toutes ces courses à faire pour les fêtes, prenez du temps pour dire 2014 est terminé. Qu'est-ce que je veux que 2015 soit pour moi réellement, dans ma famille, dans mon couple ou dans mes relations amoureuses, au niveau de mes finances, au niveau de mon boulot, au niveau de ma santé, au niveau de mes amitiés, qu'est-ce que je veux faire de plus, qu'est-ce que je veux changer, et d'écrire tout ça, de prendre vraiment du temps pour écrire tout ça, parce que ça, c'est la clé de départ. Une fois que ça est fait, alors après, on verra ensemble comment le réaliser. Mais si on ne fait pas déjà au moins ça, alors 2015 sera comme 2014, à 90% des chances. C'est un travail préparatoire pour soi, premièrement, et puis on donnera effectivement des clés lors du carrefour des réussites de janvier. Tout à fait. Clé numéro un, définir ce qu'on veut. Et puis alors, on verra ensemble comment on peut y arriver. Mais si on ne définit pas, 2015 sera comme 2014, pour le meilleur ou pour le pire. Et bien voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas Pierre-Yves. Et Merci à puis toi. ben voilà, c'est la première d'une longue série, j'en suis persuadé. Avec Et je plaisir. visualise, même, je vais dire, je visualise les futurs, même si je focus sur celui de janvier, effectivement, je sais qu'il y en aura d'autres. Voilà. Parfait. Moi, je Allez. me réjouis en tout cas de vous retrouver tous et de vous accompagner dans le développement de vos activités, déjà dans le carrefour des réussites, mais certainement un message aux participants, c'est je me réjouis de pouvoir transmettre tout ce que j'ai pu créer à travers Reach ou sur mon chemin, que ça puisse vous aider et que ça puisse vous aider aussi à votre manière de changer le monde à votre niveau. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Avec plaisir. Bonne journée à toi, David. Salut, salut.